Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour le signe du Capricorne, attendez une minute là. Capricorne, signe de terre. Un message pour le signe du Capricorne. Signe de terre. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire aujourd'hui? Capricorne, signe de terre. Bon? L'appel est déposé. Pause. Pause des travaux. Bon. On nous présente l'énergie du père et la carte disgrâce. Une perte d'estime qu'on accordait à... Ici, pause, repos, travail, arrêt de travail, dépôt. On dépose l'appel. On a déposé l'appel. Ici, le père. Le père. Ici, on dirait qu'on me parle du travail. Pause, arrêt de travail. Je vais déposer une carte supplémentaire. Capricorne, signe de terre. L'ombre. Ombre, quelque chose qu'on ne voit pas. Voyons, ça fait du bruit à l'extérieur. Attendez un peu, là. Bon, il y en a qui s'amusent. Attendez une minute, là. OK, je reviens. Bon, l'ombre. On nous parle de quoi? Ombre, quelque chose qu'on ne voit pas. C'est dans l'ombre. La nuit. On nous parle de quoi ici? Les émotions. Émotions cachées. C'est la carte qui nous encourage ici à faire face à ce qui nous fait peur. Bon, attendez une minute. Capricorne. Je demande un message pour le signe du Capricorne. Père, pelle déposée. Ombre, on me parle d'une personne peut-être rêveuse ici. Une personne qui a beaucoup d'imagination. Une personne rêveuse. Continuons d'explorer. On va probablement comprendre. C'est pour le signe du Capricorne. Chez soi, au foyer. Ici, l'appel déposé. Et le père. Bon, je vais déposer une carte ici. Pour le signe du Capricorne, je prends une pause des travaux. C'est pour le signe du Capricorne. Ici, on nous présente l'enfant. Enfant. Père. Pause. Enfant. Capricorne. Continuons. Je vais déposer une carte ici. Peut-être que vous avez déjà un message, une interprétation en tête. Allons-y. Avec le mot disgrâce, on parle de quoi? Du travail. Donc ici, il y a quelque chose qui fait que l'on présente le travail d'équipe, mais on perd intérêt, il y a quelque chose de qui se passe concernant le travail. Mm.
Oui. Est-ce qu'on aime encore notre travail? C'est une question à se poser. Ici, père, on dirait en arrêt de travail. Et on me présente l'enfant. Peut-être pour un enfant, père en arrêt de travail. Il y a un enfant ici. Continuons. Ici, là, je peux très bien rencontrer plusieurs personnes nées sous le signe du Capricorne. Ici, on me dit quoi? Ombre à la maison, quelque chose qu'on ne voit pas. On peut me présenter une personne rêveuse. Les émotions, être en contact avec nos émotions. On me dit quoi? Continuons. Capricorne, signe de terre. Bien-être à l'envers, inconfort. C'est une carte qui me parle de plaisir ensemble lorsqu'elle est à l'endroit. Profiter de la vie, partager un moment agréable ensemble. En ce moment, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas? Il y a un mal-être ici, à la maison, chez soi. Bon, je vais continuer d'explorer. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer un père en arrêt de travail. Peut-être ici qu'il y a un enfant. Ici, perte d'estime qu'on accorde à un travail d'équipe ici. On dirait qu'il y a un mal-être. Il y a un malaise ici aussi. Allons explorer la zone de l'ombre. Retrait affectif à l'envers. On nous dit quoi ici? On dirait que je rencontre une personne qui a de la difficulté à se retirer de quoi? À s'éloigner, prendre un temps seul. C'est une personne qui a de la difficulté. On veut rester près, on veut rester proche. Bon, continuons. Ici, on dirait que je rencontre un jeu de miroir. Je vais piger une autre carte. Un long chemin. Un long chemin. Un parcours, un long chemin. On nous dit quoi ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Capricorne, signe de terre. Ombre. J'ai besoin de détails pour la carte de l'ombre. Quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui est dans l'ombre? On me dit quoi ici pour le signe du Capricorne? Ici, une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à se respecter. C'est l'âme de l'artiste ici. L'âme. C'est une personne très sensible que je rencontre. Une personne qui a beaucoup d'imagination. Une personne qui a besoin d'exprimer ses émotions. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ma carte du respect de soi, des valeurs, est à l'envers. On dirait que je rencontre une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. À se reconnaître à sa juste valeur. J'ai besoin de comprendre encore. J'ai besoin de détails. Où sont mes cartes? Attendez une minute. Ici. Bon, ici, on me présente
Une carte de protection, sécurité financière. Le bon monsieur, c'est l'énergie d'un père qui revient encore. L'énergie d'un père. Comme si on ici, j'ai l'impression qu'on me présente un père. Attendez. Ici, on peut retourner loin dans le passé avec la carte de l'ombre. Oui, on peut retourner loin dans le passé, explorer des émotions. Oui, très lointaines. Ici, j'ai l'impression qu'on... j'ai l'impression d'être en présence d'une personne qui n'a pas été reconnue à sa juste valeur. Un masculin. Ici, c'est un masculin. Un long chemin. Attendez un peu. Le chez-soi. Longtemps. Un long parcours. Retrait affectif. Non, c'est... Il y a quelque chose ici. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte. C'est pour le signe du Capricorne. Signe de terre. Un masculin. Énergie d'un père. Ici, on me parle d'une personne qui peut porter l'uniforme, mais on dirait qu'elle a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître à sa juste valeur. C'est une personne ici qui peut être hypersensible. Beaucoup d'émotions. Oui. Retrait affectif. Je vais visiter cette carte aussi. Attendez un peu, je vais continuer. C'est pour le signe du Capricorne, signe de terre. Victoire et succès, sentiment d'échec, sentiment de passer à côté de quelque chose. Il y a un mal-être ici. Un sentiment d'échec. On ne se sent pas respecté ou on a de la difficulté à se reconnaître, à se respecter. Ici, on nous parle de cadeau. Cadeau, faire plaisir, donner, recevoir. On me parle de quoi ici? Pour le signe du Capricorne. Tentation à l'envers. Tentation à l'envers, ici, on nous parle de... Ma carte est à l'envers. De peur. Je rencontre beaucoup de peur avec la carte de la tentation, le diable à l'envers. C'est une personne très passionnée qui a beaucoup de peur, qui a de la difficulté à se reconnaître. Ici, c'est une carte qui peut me parler aussi de toute forme de violence. On peut se faire à soi-même cette propre violence. C'est une personne qui a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître. C'est une personne aussi qui peut être possessive, très jalouse. Oui, dans l'excès, là. Une personne qui va dans les excès. On peut me parler aussi d'addiction ici. Addiction avec la carte de la tentation à l'envers. C'est une personne ici qui a de la difficulté à se reconnaître. Une personne hypersensible, d'après moi. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions ici. Il y a un sentiment d'échec. Ici, on a de la difficulté à être loin d'une personne, à s'éloigner. La carte de la tentation, ici, c'est une carte qui me parle d'emprise. On dirait qu'il y a un côté... On peut nous parler ici d'une relation de codépendance. Oui. On est prêt à tout ici pour ne pas perdre l'autre. Une relation de codépendance. Continuons. Donc, il y a comme quelque chose ici... on veut mettre le grappin, là, ou c'est l'emprise, là. Continuons. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ici?
la fin de, la fin, un changement, une transformation. On veut nous dire quoi? Mettre fin à l'emprise, mettre fin à ce qui est toxique, à ce qui est malsain pour soi. On l'a vu ici, c'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. On nous présente un masculin dans ses pensées. Le masculin est très présent ici. Très, très présent en cette zone. Un masculin dans ses pensées. On pense à mettre fin à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? On nous parle de transformation, de changement. C'est la fin d'une situation. Mettre fin à un lien toxique, malsain, il y a emprise ici. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. On nous parle de codépendance. Il y a quelque chose qui est malsain. Ici, un manque de respect, de reconnaissance de soi. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Ici, on peut donner beaucoup aussi, donner. Je vais déposer une carte sur le cadeau. Réussir, fin des ennuis, donner, prendre. On veut nous dire quoi? L'équilibre ici, on nous parle de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Réussir à trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Amour réciproque. Amour réciproque. Est-ce que l'amour est réciproque? C'est une réflexion, c'est à réfléchir. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est une relation de codépendance? Ici, je vois qu'on a de la difficulté à être loin. Donc là, ici, c'est une zone de réflexion. Ici, j'ai vraiment l'impression que je n'ai rien à rajouter. Père, travail. On dirait un père en arrêt de travail. Un enfant. Ici, quelque chose ici en lien avec le travail. On dirait qu'on n'est pas bien dans notre travail. On perd intérêt. Bon, je vais continuer d'explorer. C'est pour le signe du Capricorne. On va voir. Capricorne, signe de terre. Ici, intuition à l'envers. On me dit quoi maintenant? On me parle de quoi? De petites cachotteries? De petits secrets? Attendez, je vais déposer les cartes, les déplacer plutôt. Ici, intuition à l'envers. Une personne qui a de la difficulté à faire confiance à son flair, à son intuition. Ici, on dirait qu'on me parle de... Ici, c'est une carte qui me parle d'occasion d'affaires, le début de la prospérité. Mais ma carte est à l'envers. On me parle de quoi ici? Capricorne. Prison. Prison. Bon, on veut nous dire quoi? Capricorne, signe de terre. Intuition, secret, on n'en parle pas. Ici, on est associé à qui, à quoi? Ici, prisonnier de nos peurs. Ici, c'est une carte qui peut exprimer la médisance. On est prisonnier de nos peurs. Une personne qui ne fait pas confiance à son intuition. Ici, sur le plan des affaires, du travail, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui accroche. Attendez une minute. Peut-être ici, je ne sais pas, j'ai la sensation d'être prise dans quelque chose. Il y a de la médisance aussi. Je ne me sens pas libre.
Je ne me sens pas libre ici. Message. Envoyer un message. On aurait besoin d'aide, c'est la bouteille à la mer. On dirait que ça concerne le plan ici des affaires. C'est la carte de l'emploi. En ce moment, ma carte est à l'envers. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, que l'on garde pour soi. On dirait que la prison, je me sens coincée dans quelque chose. J'aurais besoin d'aide ici. La bouteille à la mer. Je vais déposer une autre carte. Est-ce qu'on est en lien, associé ici? C'est une carte qui me parle d'une... C'est une occasion d'affaires, une offre d'emploi, le début de la récolte, mais on dirait ici qu'il y a une perte ou il y a un blocage au niveau du travail. On perd une occasion. Il y a un mal-être ici. Capricorne, signe de terre. On nous dit quoi d'autre? On n'en parle pas, hein? C'est une carte. On dirait que ce qu'on démontre aux autres ne correspond pas à la réalité. Ici, on cache quelque chose. Passion enflammée. Passion enflammée nous parle de quoi? D'une nouvelle aventure excitante. Quelque chose qui nous stimule, qui nous fait vibrer. Hein? Qui nous allume. Bon, c'est présent. Je rencontre une personne très passionnée. Mais en ce moment, en dessous en tout cas, ce que j'ai vu ici, c'est loin de nous stimuler. Ça ne nous stimule pas. J'ai l'impression d'être en prison. Je me sens prisonnière. Mais comme la carte me parle d'hypocrisie, probablement que je n'en parle pas. J'aurais besoin d'aide avec la bouteille à la mer. Ici, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu désires réellement? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te stimule? Ici, on peut se le demander. Parce que c'est la carte qui nous parle de oui, de quoi as-tu le goût? C'est la carte qui nous parle de c'est l'énergie sexuelle, l'énergie de la vie, de la création. Qu'est-ce que tu as le goût, toi? Qu'est-ce qui t'allume? On dirait qu'on a perdu le contact avec ce qui nous allumait. Peut-être qu'en ce moment, c'est la sexualité, là, parce que sur le plan ici, travail, notion d'enfermement, prisonnier, prisonnière. Continuons. Il n'y a pas de joie. Il y a un déplaisir. Difficulté ici. OK, continuons. Continuons d'explorer. Capricorne. Éveil à l'envers. Bon, éveil à l'envers, c'est la carte qui me parle de quoi? Il y a un blocage ici. On pourrait nous parler d'un changement d'emploi, mais on n'ose pas. On est bloqué. On est bloqué. Quelque chose nous freine dans notre action. Capricorne, signe de terre. Bon, là, on peut prendre une autre direction. Ça concerne le plan de la fidélité. Fidélité, compagnon, partenaire fidèle. Là, ici, là, on peut me présenter une autre version des cartes. À vous de voir ce qui vous fait sens, ce qui fait écho à votre réalité. Ici, on est en train peut-être aussi de me présenter... Bien, ici, c'est la carte qui me parle de manipulation, abus de confiance, infidélité conjugale. Ici, le goût de l'aventure. On ne se sent pas bien dans une certaine relation. Il n'y a pas de joie.
perdre. Ici, on dirait qu'on perd de l'argent. On aurait besoin d'aide ici. Ici, on nous parle de ruse. On nous parle de manipulation, de mensonge. Avec la carte de la pie. La pie peut représenter abus de confiance, infidélité. Bon, la pie peut aller loin. On peut parler de... Ça peut aller jusqu'à l'escroquerie, là, la pie. Mais en ce moment, il y a quelque chose ici, des petits secrets. On n'en parle pas. Cachotterie. Peut-être ici qu'il est question de message. On communique avec quelqu'un d'autre. Le goût de l'aventure. Oui, c'est possible ici. On communique avec d'autres personnes. Des petits secrets. Ici, c'est possible pour le signe du Capricorne. Bon, attendez une minute. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, là, d'après moi, il y a une remise en question concernant l'emploi du temps, le travail, travail d'équipe. On perd intérêt à un certain travail en groupe. Maintenant, je vais piger une autre carte. Signe du Capricorne. Équilibre à l'envers. On nous parle de quoi? On n'est pas en paix là, en ce moment. On n'est pas en équilibre. On cherche notre équilibre. Bon, on nous présente une personne de loi. Une personne de loi. On a quelque chose à régler. Un conflit à régler. Quelque chose à clarifier. C'est une carte qui exprime la dispute, conflit. On a quelque chose à modifier, à clarifier. On a des comptes ici à rendre. Il y a quelque chose pour être en paix. Allons-y. Continuons. Donc, on n'est pas en paix. Bon, équilibre à l'envers, c'est l'énergie aussi du hors-la-loi. Bon, ici, on nous parle d'un ménage. On fait un grand ménage dans ces énergies. OK. Donc, on est probablement en train de clarifier, de mettre fin à certains conflits. Ici, il y a une personne de loi. Continuons. Capricorne. Je vais y aller avec une autre carte. Ici, la carte de l'harmonie maintenant. Harmonie. La carte qui me parle d'une relation. Gagner, gagner un montant d'argent, gagner, prendre des risques, oser. Qu'est-ce qu'on fait? On a une décision à prendre. Est-ce qu'on se risque? Danger, danger, terrain glissant. Jouer sur un terrain glissant. Capricorne, on a un choix à faire. Ça peut être en lien avec une personne, ça peut être en lien avec... on peut me parler d'une relation de couple, d'amitié, collègue de travail, membre d'une même famille. On a une décision à prendre. Ici, on me présente un bouleversement. Je vais piger une autre carte. Capricorne, signe de terre. Bon, ici en ce moment-là, ce n'est pas reposant ce qui se vit ici. On a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc là, on veut se remettre en mouvement. En mouvement.
Il y a quelque chose de risqué avec la carte du danger. J'ai besoin de comprendre encore pour le signe du Capricorne. Bon. En fait, ici, on est en train de me parler d'une personne qui est probablement en train de vivre une séparation. C'est la carte de la séparation. On a une décision à prendre ici. Une séparation. Ici, avec cette carte, on nous parle d'un gain. Mais là, en ce moment, quand je regarde les cartes, ça prend le sens de la perte d'argent. Ici, une relation. C'est le cercueil, c'est la fin. Ici, le bouleversement. C'est une carte qui me parle de séparation, de rupture, de bouleversement, de destruction. Ici, c'est la fin, c'est le cercueil. Donc, on a une décision à prendre concernant un lien. À vous de voir de quel lien il est question. On est appelé à évaluer le lien, évaluer la relation. Ce n'est pas reposant ici. Et on veut se remettre en mouvement. Il y avait un blocage ici, là, émotionnel. Là, on va débloquer ça. Attendez une minute. Ici, vraiment, là, je pense qu'on me parle d'un changement au niveau d'un lien. La fin. Bon, est-ce qu'on va prendre le risque? Est-ce qu'on le fait? Bon, argent, un montant d'argent, les questions d'argent qui entrent en ligne de compte. C'est l'obstacle. Capricorne, signe de terre. Manquer de discernement. On aurait manqué de discernement ici. On n'a pas réfléchi avant d'agir. On est allé un petit peu vite avec la carte de la sagesse à l'envers. On n'est pas en paix, là, en ce moment. La personne ici, en cette zone, n'est pas en paix. Elle rencontre un blocage, mais elle veut débloquer. Elle veut se remettre en mouvement. Je vais déposer une carte ici de mon oracle de l'âme intuitive et par la suite, je vais peut-être piger une autre carte. Donc, pour cette zone, on nous parle du présent. Ici et maintenant. Vivre dans l'instant présent. Revenir au présent. Attendez, je vais vous lire le message. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Donc ici, on nous parle de changement au niveau d'un lien. Il y a une transformation inévitable ici, là. Il y a un changement. Quelque chose va s'arrêter. On a peut-être été trop vite, là, ici, en une certaine situation. Donc là, c'est ce qu'on nous dit avec la carte du présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent, accueillir le changement. Allons-y, continuons encore. Je vais y aller avec une carte rose pour le signe du Capricorne maintenant. Capricorne, signe de terre. La confiance. Une carte qui exprime la confiance maintenant. Je rencontre peut-être bien une autre personne.
Ici, c'est une carte qui nous dit que cette situation te demande d'avoir la foi, de faire confiance. Je vais piger une autre carte. Une carte de confiance. OK, continuons. Fais confiance. Et on nous présente un masculin. Ça peut être votre partenaire, un ami, un collègue, un frère. Ici, c'est une relation de confiance. On dit « fais confiance ». Je vais déposer une personne de confiance. Je vais piger une autre carte ici pour le signe du Capricorne. Une personne ici qui est très fatiguée, épuisée, au bout du rouleau. Allons-y, continuons. On nous dit quoi? Fais confiance. Lumière à l'envers. C'est une personne hypersensible que je rencontre. Beaucoup d'émotions. Ici, beaucoup d'émotions. Attendez une minute là. Je vais déplacer les cartes là, étant donné que l'éclairage reflète là, sur les cartes. Attendez. Ici, c'est de l'hypersensibilité. On est à fleur de peau. Je rencontre une personne à fleur de peau ici. Allons-y, continuons. Oui, à fleur de peau, épuisée. Ici, on nous dit « fais confiance ». En ce moment, on ne peut pas. Mouvement positif vers l'avant. On dirait qu'on ne peut pas. On ne se sent pas libre. On ne peut pas avancer librement. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui se passe ici. Attendez une minute, je vais explorer. Capricorne, signe de terre. Ici, on nous présente la bonne dame. Donc, la bonne dame représente l'énergie de la mère. La bonne dame, celle qui prend soin, celle qui accompagne, la guérisseuse. Elle se présente. Elle veille sur toi. C'est une carte qui me parle de bienveillance, prendre soin. C'est une carte qui nous rappelle de prendre soin de soi. Oui. Être à la maison, prendre soin de soi. En ce moment, on ne peut pas. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas se déplacer. Je rencontre une personne très sensible ici, épuisée. Il y a un épuisement. Et on nous dit « fais confiance », on nous présente l'homme riche, qui peut être votre partenaire aussi. Un ami, continuons. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ici? Donc, l'importance de prendre soin de soi, c'est ce qu'on nous rappelle. La fin, le cercueil, c'est la carte qui nous parle d'une transformation, un changement. Bon, je vais demander. Peut-être qu'on a peur de mourir. C'est la carte de la mort, transformation, changement. Allons-y. Allons explorer cette carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? C'est une carte de changement, quelque chose qui s'arrête et un nouveau début, un renouveau. La fin et un début, transformation. Allons-y. Fais confiance. Vérité à l'envers. On nous dit quoi? Quelque chose de quoi qu'on ne peut pas. Difficulté à se libérer de quelque chose.
Se libérer d'un passé, se libérer de quelque chose. Attendez un peu. Capricorne, signe de terre. Pensée sombre. Bon. On est préoccupé ici. On n'arrive pas à se libérer, à se pardonner, à pardonner. Un changement difficile ici. Une résistance au changement. On est préoccupé. Attendez une minute, je vais piger une autre carte. Capricorne, signe de terre. La famille à l'envers. La famille à l'envers. Bon. La famille à l'envers. Difficulté à pardonner, à se libérer. D'un passé. D'un passé. C'est en lien avec un groupe, famille de sang, non. Des ennuis, des pensées sombres, on est préoccupé. Bon. C'est en lien avec la famille, un groupe. Il y a quelque chose ici. C'est une carte de dévoilement de la vérité. Dévoilement, mais il y a quelque chose qui est voilé, qui est voilé. Il y a une lutte ici. Capricorne, signe de terre. Lutte, préoccupation. Bon, ici, souvenir d'amour. Une flamme. Souvenir d'amour. Les mémoires du passé. On nous parle de quoi ici? Une situation ou une personne du passé qui revient. Où est-ce qu'on s'en va comme ça? Capricorne. Il y a quelque chose qui nous prend de notre énergie. On nous présente le voleur. Il me semble que je l'ai vu. Non, c'est pas dans ce jeu-là. Le voleur. Que nous dit le voleur aujourd'hui? Que nous dit le voleur? Voleur. Voleur de flamme. Voleur de quoi? Souvenir. Souvenir d'amour. On est dans nos mémoires. On est dans nos mémoires. Attendez un peu. Voleur. On veut me dire quoi avec le voleur? L'énergie du voleur. Une ancienne flamme. C'est comme si on ne s'était pas libéré d'un passé. Bon, ici, on nous a parlé de famille, de groupe, préoccupation, adversité. Ici, les beaux souvenirs. On se rappelle les beaux souvenirs. On est réellement préoccupé ici. On n'arrive pas à pardonner, à oublier. On se rappelle les beaux souvenirs vécus ensemble. C'est peut-être avec une personne de la même famille, étant donné qu'on m'a présenté le nid. On est réellement préoccupé ici. Capricorne, signe de terre. J'ai l'impression de rencontrer plein de personnes nées sous le signe du Capricorne. Il y a eu ici illégalité, injustice, hors la loi. On nous a présenté le voleur. Et on se rappelle des beaux souvenirs vécus ensemble.
Il y a quelque chose ici qu'on n'arrive pas à oublier. Il y a les beaux souvenirs, mais il y a aussi une difficulté à pardonner. Ici, là, vraiment, on est embêté. On est réellement embêté. Bon, attendez un peu. Je pense que j'en rencontre des Capricornes ici aujourd'hui. Oui. Ici, on est déchiré. On n'arrive pas à se libérer d'un passé. Il y a un déchirement. Choisir avec sagesse. Donc là, ici, on nous dit quoi? Bien, avec cette carte, on nous parle de, bien, plusieurs possibilités. On a plusieurs possibilités devant soi. Qu'est-ce qu'on veut? On peut recevoir des avis, des conseils. Qu'est-ce qu'on veut maintenant, aujourd'hui? C'est important de revenir à soi parce que c'est toi qui vas devoir prendre une décision. Le travail. On nous parle du travail. Travail, c'est quoi le lien? Là, on est rendu dans le plan du travail. Plusieurs possibilités. Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas en paix ici. Non, non, on n'est pas en paix. Ici, on n'est pas en paix. Ici, on me présente une histoire de choix à faire. Là, on peut très bien me parler. J'ai l'impression de rencontrer plein de personnes en même temps. On peut me parler ici d'une personne qui a de la difficulté à choisir. C'est une personne qui est influençable, très influençable. C'est pour ça qu'on lui dit « reviens à toi ». Bon, il y a une question de travail. Qu'est-ce que tu veux au juste? On dirait que ça semble être compliqué. On ne sait plus ce qu'on veut. Là, on nous parle du plan de travail. Trouble ici. On est troublé. Je rencontre une personne troublée. Je vais déposer une carte sur le travail ici. Emploi du temps. On dirait que je rencontre une personne qui fait plusieurs affaires en même temps, là, qui a plusieurs projets là, tout d'un coup. L'eau, les ennuis, troubles émotionnels, la joie, nouveau coup de cœur. Nouveau coup de cœur, les beaux sentiments qui reviennent. L'impression de renaître. L'impression de renaître. Est-ce qu'on nous parle d'une guérison émotionnelle? La fleur. Revivre. La joie. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi? Donc ici, on a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qui stimule la joie? On est troublé ici. Ça peut être aussi concernant notre emploi du temps, le travail. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi parmi tous ces choix? Donc ici, on nous dit « reviens à toi, c'est important ». La fleur représente la joie, l'impression de se sentir vivant, vivante, vibrante. Changer, ouvrir nos horizons, aller voir ailleurs, explorer, explorer, changer de route, changer de travail, c'est possible. Ici, on nous présente l'homme riche qui revient, l'homme riche. Ici, on a un nouveau coup de cœur. Ici, on use de stratégie. On use de stratégie et on nous parle du succès en amour. C'est une carte de réussite. Donc, la fleur
est une piste. La joie. Qu'est-ce qui stimule la joie? J'ai l'impression aussi qu'on va opérer un changement. On ne sait plus ici quoi choisir. Donc ici, c'est important de revenir à soi. Point de repère, la joie. Et succès en amour. Succès, c'est une carte de réussite. Aide providentielle. Recevoir de l'aide sur le plan financier, du soutien. Et on nous présente le couple, le mariage. Donc, d'après moi, c'est une relation. Il y a du soutien. Aide providentielle, il y a du soutien. On dirait ici que je rencontre une personne qui va opérer un changement. Qui va opérer un changement. Oui, peut-être même sur le plan du travail, son emploi du temps, étant donné qu'on me l'a montré tantôt. Oui. C'est important aussi de prendre soin de soi. La bonne dame nous le rappelle. Parce que tantôt, j'ai rencontré une personne épuisée, fatiguée, au bout du rouleau. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'on est bien accompagné, bien soutenu. Et la fleur, la joie, nous parle soit d'un nouveau coup de cœur, on y va. S'écouter, se respecter, parce que tantôt aussi, j'ai vu qu'il y avait une personne ici qui avait de la difficulté à se respecter, une personne très sensible, à se reconnaître. Donc ici, on nous rappelle... Parmi tous les conseils que tu reçois, c'est important que tu reviennes à toi. Est-ce que ça stimule la joie à l'intérieur de toi? Si oui, go! T'as le goût? Vas-y. Sinon, peut-être qu'on devrait chercher encore. Mais là, j'ai l'impression qu'on a un coup de cœur pour quelque chose. Et qu'il y a soutien. Soutien sur le plan financier. Donc, c'est possible ici qu'il y ait une personne qui opère un changement. Et on reçoit de l'aide. Bon, bien, je vais prendre bientôt une pause, moi, là. Attendez une minute. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Capricorne, signe de terre. Créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. On nous dit quoi? Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être tenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer. De jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà. Qu'est-ce qui stimule la joie? Bien, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!